Salut les trailers, bon voilà, avant de faire quelques annonces, je vais encore, désolé, mais vous remercier une fois. On a atteint sur YouTube 200 abonnés et c'est un objectif que je pensais pas atteindre avant au moins un an. On y arrive en seulement 8 mois, vous êtes super au top. Merci beaucoup. Également, merci pour vos soutiens, vos partages, vos commentaires et toutes les conversations qu'on peut avoir en off sur la page Facebook ou sur Instagram. C'est un super plaisir pour moi de partager mes aventures et également de répondre à toutes vos questions et à vous aider dans vos ambitions de trailer. Alors n'hésitez pas, on continue. Bon, on arrive à la fin du coup de cette année 2016, beaucoup de kilomètres parcourus, beaucoup de grandes courses aussi, et je pense que voilà, on fera un débrief 2016 dans une prochaine vidéo. Tranquillement, le planning de 2007 est en train de s'écrire, mais d'abord j'ai une nouvelle de dingue, et oui, je vais faire mon premier marathon en mars. Pas pour moi, mais pour une amie qui a envie de faire du coup son premier marathon, je vais l'accompagner et faire son pacemaker. Bon voilà, qu'on essaye de rentrer dans le temps qu'elle s'est fixé. Ce sera pas le mien, mais voilà, ça me permettra déjà d'avoir une première aperçu de quoi ressemble un marathon. Du coup, peut-être me décider à vraiment en faire un pour moi en 3 heures. Je pense que ce sera mon objectif. Après cette grosse nouvelle, voici un peu les réjouissances de la première moitié de 2017. Première moitié jusqu'à peu près septembre hein, quand même. Donc voici la liste un peu des courses qu'on va faire. On va commencer peut-être, potentiellement, c'est pas encore sûr, par le trail des Noctambules à Amiens. Petite sortie histoire de se remettre dans le... dans le move. Ensuite, du coup, le fameux marathon du Bois de Vincennes, donc le 12 mars, si je me trompe pas. On enchaînera du coup le 9 avril avec le trail des deux amants, qui est assez compliqué techniquement, qui fait seulement 53 km, mais qui a quasiment 2000 mètres de dénivelé positif. Ensuite, la première grande course de l'année, c'est le trail du Pas du Diable, dans l'Aveyron, donc 120 km, 6004 2D. Donc ça va être assez fun aussi. Le 17 avril, on va s'attaquer à la Bargeau, 100 km. Ensuite, peut-être le 14 juillet, parce que c'est jour de fête, le trail des Passerelles Monténard, qui est un 65 km à 4000 mètres de dénivelé positif, pour ensuite, du coup, préparer la fameuse UT4M, 160 km, donc 170 km, 11 km de dénivelé positif, qui sera le majeur... comment dire ça ? La course de l'année, enfin le truc, l'objectif, le machin, voilà, le premier gros et énorme objectif ultra trail de ma courte carrière d'ultra trail. Ensuite, bah, pour décrasser, le 24, je sais pas si on a eu les dates, mais je pense que ce sera le 24 septembre, la fameuse course des Terrils, 60 km, j'espère qu'il la fera cette année, parce qu'elle m'a vraiment manqué cette année, même si on s'est quand même bien amusé sur, comment ça s'appelait, là, la Laser Trail. Ah oui, d'ailleurs, on a eu ma toute première médaille. Les hospitaliers nous ont envoyé une gentille médaille, merci à vous. Donc voilà, encore beaucoup de réjouissances pour cette année 2007 et j'espère que vous prendrez plaisir à me suivre et je prendrai toujours plaisir à vous faire partager ces aventures. Donc après tout ça, voilà, les prochaines vidéos, ça me taronne un petit peu dans la tête. Voilà, j'essaye de faire des choses à la fois trail et un peu plus théorique. Du coup, voilà, il va y avoir une vidéo très prochaine sur tout ce qui est froid, habillement, respiration, alimentation en hiver. Parce que voilà, on sait que le plus rude va arriver, hein, c'est le premier jour d'hiver aujourd'hui, le jour où je fais cette vidéo. Et comme vous l'avez demandé, je vais vous faire un peu le tour de tous mes spots d'entraînement que j'ai ici pas loin de chez moi. Parce que comme vous le savez, je suis en région parisienne, c'est pas forcément facile de travailler en trail. Mais voilà, on arrive à quand même trouver des bons spots et voilà, jusqu'à présent ça s'est quand même pas trop mal passé. Ah oui, et bien sûr, là comme c'est les vacances, je vais rentrer sur mes terres natales où ça a vu naître ma passion du trail et je pense que je vais vous faire... une petite visite de mon parcours clé dans mes terres, donc dans mes fameux terris encore une fois, et la forêt de Rennes. Et puis voilà, bah, comme vous le savez, le premier Follow Me qui arrivera seulement en mars, du coup avec le premier marathon de ma carrière officielle. Bon, bah, maintenant je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, de bien profiter pendant les fêtes, faites-vous plaisir, de toute façon c'est la semaine un peu joker de l'année, on reprend sérieusement tout ça en janvier, moi pareillement je reprends l'entraînement sérieux dès janvier. Du coup, on se retrouve très rapidement l'année prochaine pour de nouvelles aventures. A bientôt les amis, ciao !